L'expropriation est une procédure par laquelle l'autorité publique accède au foncier au travers d'une dépossession. Cet acte favorise la construction et la réalisation d'infrastructures. C'est un outil de maîtrise foncière qui est basé sur des fondements juridiques. Cette cession forcée qui permet donc d'obtenir le transfert de la propriété d'un bien appartenant à une personne physique pour le compte d'une autorité publique, à savoir l'État ou une collectivité territoriale, est prévue et organisée par les textes. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22. Il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Il y a des tests dérivés qui sont des tests réglementaires. Je voudrais citer donc le décret 2015-013 qui organise les commissions d'enquête de commodo et d'incommodo, de dédommagement et d'expropriation en République du Bénin. La procédure d'expropriation est enfermée dans un délai de 12 mois. Les opérations d'expropriation ont un caractère impartial et se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Dans la zone 4, une mise à jour des coordonnées inclut certaines localités. Il y a eu une décision du gouvernement allant dans le sens de rectifier des coordonnées parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de Fimpavé Fidjroussé jusqu'à Ouida après Avlekité, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjroussé, Fiéyon 1, Fiéyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjroussé, de Fiéyon 1, de Fiéyon 2, de Togbe, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. Pour la bonne collaboration entre les populations et l'Agence nationale du domaine et du foncier, Victorien Koublenou exhorte les concernés à se constituer en assemblée générale et s'enregistrer au lieu d'être des collectivités. Certaines de leurs préoccupations peuvent être prises en charge par l'agence.